Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais revenir sur un projet global de gestion de comptes à privilèges que nous avons réalisé pour un client dans le domaine de l'agroalimentaire. La complémentarité des sociétés du groupe NTT a été primordiale dans ce projet. Des initiatives ont été menées en premier lieu par diverses entités du client en Asie et aux États-Unis. Notre connaissance approfondie des enjeux du client, la relation commerciale globale associée à notre expertise technique nous ont permis d'accompagner notre client dans la mise en place de la solution au niveau mondial avec une gouvernance centralisée en France. Nous avons travaillé avec le client pour définir un catalogue de services répondant ainsi à ses réels besoins. Tout d'abord en Asie, où le projet avait débuté avec un acteur local, nous avons su nous adapter au contexte client et ajouter uniquement une couche de gouvernance. La gouvernance est clé dans les projets de gestion de comptes à privilèges. C'est ce qui permet d'intégrer les comptes avec une stratégie propre à chaque environnement. Nous avons développé une approche s'appuyant sur les risques des données traitées et l'exposition des différents assets. Pour le périmètre Europe, l'intégration s'est faite de bout en bout. Gouvernance, définition d'architecture, intégration, éventuellement service managé. Le catalogue de services ainsi développé a permis d'apporter au client prévisibilité de son budget, visibilité sur les services qu'il peut utiliser et travail dans la durée et progressif avec des équipes NTT. En conclusion, le point qui a été différenciant pour ce projet est que NTT a permis d'apporter une réponse globale avec un accompagnement local.